Bonjour, bienvenue à tous. On vient de démarrer là, le stream. On attend allez, 2 petites minutes avant de commencer réellement cette présentation, le temps que tout le monde arrive tranquillement. Et puis, on lancera la présentation animée par Guylaine. On vous laisse aller 1 petite minute ou deux. Et puis, on vous dit à tout de suite. Ok, ça marche. Bon, allez, let's go, on commence du coup. De toute façon, le plus intéressant finalement, ça ne va pas être moi ce que je vais dire. Donc, ça va laisser 1 petite minute encore aux gens pour arriver. Et puis, ça sera plutôt l'intervention de Guylaine, voilà, qui va vous intéresser. Bonjour à tous. Bienvenue à cet atelier découverte qui est animé aujourd'hui voilà, par Guylaine. Bienvenue au CESFIM. Voilà, quelques mots rapidement sur nous pour ceux qui ne nous connaîtraient pas ou pas encore très bien. On est. Un organisme de formation spécialisé dans les formations au numérique. Voilà, formation longue, formation diplômante, formation courte. Voilà, et parmi aujourd'hui nos activités, il y en a une qu'on a développée depuis 3 ans, c'est ces ateliers découvertes, un jeudi par mois avec la présentation autour de diverses thématiques. Aujourd'hui, c'est une thématique liée à LinkedIn, mais voilà, je laisserai Guilhem après nous faire la présentation. Voilà, atelier gratuit, parlez-en autour de vous, c'est vraiment ouvert à tout le monde. On a changé un peu le format avant, on était en soirée, 18h30, 20h, on était sur Zoom, et là on a pris, voilà, on a souhaité changer, tester ce format entre midi et 2, parce que certaines personnes nous avaient demandé de décaler si c'était possible, parce que le soir, bah, après une longue journée, ce n'est pas toujours évident. Donc de décaler entre midi et 2, donc voilà, c'est le choix qu'on a fait, et puis on se teste aussi un peu sur Twitch, donc c'est intéressant. Voilà, d'essayer. Je donne la main à Guilhem, qui est l'intervenant de la journée. Salut Guilhem. Salut, salut Pierre, salut à tous. Écoutez, aujourd'hui on va parler LinkedIn un petit peu et surtout outbound, automatisation et prospection. Avant de commencer de dérouler le programme, je vais rapidement me présenter. Donc moi je suis formateur et consultant en marketing digital de manière générale et de manière plus spécifique, j'interviens sur LinkedIn. Donc d'une part, je suis formateur au CESFIM notamment, et puis je donne des formations personnalisées pour les PME qui souhaitent améliorer leur marketing, leur prospection sur LinkedIn. Et puis en même temps, je développe toute une série de prestations autour de cette activité, notamment ce qu'on appelle du ghostwriting, c'est-à-dire que voilà, je prends la parole au nom des chefs d'entreprise sur LinkedIn pour animer une communauté, travailler du personal branding, etc. Et puis également, je fais des actions de prospection pour des entreprises via LinkedIn et à partir des différentes étapes que je vais vous montrer aujourd'hui. Et en même temps, je suis aussi un créateur de contenu justement sur LinkedIn. L'idée, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que je suis formateur sur ces thématiques. Et je voulais en même temps faire la preuve un petit peu par l'exemple, hein, parce que je vois, enfin, il y a pas mal de formateurs sur LinkedIn, il y a pas mal d'agences, notamment de com, qui donnent des formations LinkedIn, etc. Mais je trouvais que c'était intéressant justement à la fois de manier l'aspect théorique un petit peu, et puis derrière de faire ses preuves sur le réseau. Et donc j'ai monté un nouveau compte. Hein, donc, vous le trouverez si vous allez faire un tour sur LinkedIn à Guillaume Salle. J'ai monté un compte from scratch un peu il y a 6 mois où je prends la parole justement sur ces thématiques autour du marketing, de la prospection LinkedIn. Voilà. Et en 6 mois, c'est ce que je mets un peu sur la presse, mais j'ai réussi à générer voilà, à peu près un peu moins de 3 000 abonnés et 500 000 vues de poste. Donc l'idée, voilà, c'était de se positionner un peu à la fois, d'enjoindre un peu la pratique.
À la théorie. Voilà un petit peu pour moi. Je vais vous demander en 2 minutes de faire remonter par le chat, si c'est possible, un peu quels sont vos profils. Est-ce que vous êtes plutôt des marketeurs? Est-ce que vous êtes plutôt des commerciaux? Est-ce que vous êtes des étudiants du CEFIM? C'est Pierre qui va centraliser un peu cette info parce que ça va me permettre un peu de, ça va me permettre d'adapter un peu mon discours. Donc, à la fois, qui êtes-vous? Quelle est votre sensibilité ou votre compétence un peu de base, et d'autre part, quel est votre niveau un peu sur ce sujet de la prospection en bande sur LinkedIn, à savoir est-ce que vous êtes complètement débutant et vous êtes là pour découvrir, ou au contraire, est-ce que vous en avez déjà fait, vous êtes un peu avancé, vous avez déjà testé des logiciels d'automatisation, etc. Voilà, je vais vous laisser 2 petites minutes, histoire que Pierre centralise un peu, nous fasse une petite synthèse, et comme ça, ça me permettra moi d'adapter le discours, c'est quand même assez important sur ces sujets. Ouais, il y a une joueur 37 qui vient de nous indiquer si les autres peuvent faire pareil, les autres participants, Romaric, Jules Powad, Don du 86, Zé Cédric, tous ceux qui sont présents, s'ils pouvaient faire comme une joueur 37, nous faire remonter… nous indiquer voilà quel est votre métier ou voilà qu'est-ce que voilà et effectivement votre connaissance autour de LinkedIn, ça va permettre voilà comme disait Guilhem de bien on va dire centrer sa présentation sur vos attentes finalement. Pour l'instant j'ai une personne qui a répondu qui est BizDev, donc c'est assez cohérent. Okay. Voilà, les autres ils peuvent le mettre dans le chat. Alors est-ce qu'ils ont bonjour? Et ben bonjour, moi je suis juste salarié dans un compte. Un débutant, très bien. Un étudiant CPEC, coucou. Je crois que je sais qui c'est. Ah. C'est Florian. Voilà. Un deuxième étudiant CPEC. Salut. Donc, Enjouard, qui est, elle, BizDev, nous dit qu'en plus, elle utilise l'outil chaque jour pour enrichir son CRM et pour le sourcing candidat. Ok, bon, mais d'accord. Sourcing candidat, ouais, d'accord. Plutôt en RH, mais on a déjà une utilisation un peu avancée, notamment de la connexion CRM. Ça roule. Tout le monde n'a pas encore répondu, mais… Ouais, bon, mais je vois un petit peu, ben, c'est toujours un peu la difficulté avec des profils qui sont plutôt débutants, en tout cas, ouais, qui commencent à aborder ces problématiques et des profils peut-être un peu plus avancés là-dessus. Ça marche, je vais essayer de parler à tout le monde, pas perdre les premiers et essayer quand même d'apporter de la valeur au deuxième, ce qui est un peu une gageur sur ce genre d'intervention, mais je suis habitué. Ça marche. Très bien, je vais vous expliquer un peu comment on va dérouler ça, comment j'ai articulé la présentation aujourd'hui. J'ai essayé de définir un peu quelles étaient les 5 étapes pour arriver à une bonne automatisation de sa prospection via LinkedIn. On va commencer par le profil parce que c'est la base. Quand tu commences à prospecter, l'idée, c'est en fait d'avoir… comment dire, d'aller te connecter déjà à d'autres profils. Et donc, il faut que tu aies un profil d'équerre qui soit clair sur à la fois la façon de te présenter, l'axe que tu choisis, ta proposition de valeur, la manière dont tu décris ton activité, etc. Donc, on va faire une passe quand même sur le profil qui est vraiment conçu comme une landing page, c'est-à-dire que quand tu vas prospecter, quand tu vas aller te connecter à des comptes de prospects, bah, la première chose généralement que vont faire… comment faire ces prospects, une fois qu'ils vont recevoir la demande, c'est qu'ils vont passer sur ton profil. Donc là-dessus, il faut que ce soit nickel. La deuxième grosse partie du taf, c'est le sourcing des cibles. Hein, comment est-ce qu'on source des cibles, comment on segmente, comment, etc. Ça, j'y reviendrai. Et notamment à travers l'outil Sales Navigator. Alors, on n'a qu'une heure et il faut voir pas mal de trucs. Donc, on va survoler, mais l'idée, c'est quand même de vous montrer quelques trucs de l'univers un peu Sales Navigator. L'aspect copywriting, donc ce qu'on appelle copywriting, c'est-à-dire la rédaction des messages et notamment des séquences de messages. Il faut rédiger des messages impactants, il faut penser des scénarios avec des suites de messages un petit peu, et là-dessus, il y a des bonnes pratiques qu'on va détailler dans la presse. Le côté industrialisation, ben, c'est les outils en tant que tels qui vont te permettre de faire de la prospection. Alors, j'en évoquerai 2-3. Moi, personnellement, je bosse sur Walaxy. C'est voilà, un logiciel qui doit vous parler si vous êtes un peu familier du sujet.
Et puis la dernière, c'est enfin la dernière section, c'est plutôt une question d'ouverture en fait. C'est-à-dire que on voit qu'aujourd'hui de plus en plus de gens et notamment de biz dev et de sales font de l'outbound via LinkedIn, donc font de la prospection, mais à partir de alors soit des faux comptes, soit des comptes un peu fantômes, soit en tout cas des comptes qui sont pas hyper actifs. Et moi, c'est un peu quelque chose que comment dire, pas vis-à-vis duquel je m'inscris en faux, mais j'aime bien replacer les choses en disant OK pour faire de l'outbound, mais n'oubliez pas que l'inbound est quand même un levier puissant et notamment pour légitimer un peu votre action. Et je pense qu'une stratégie d'outbound un peu sèche sur LinkedIn, elle est un peu limitée et c'est quand même pas mal de prendre la parole, de montrer de l'expertise, de démontrer de l'expertise et de la légitimité en apportant de la valeur sur les sujets sur lesquels vous positionnez. Mais bon, ça, je le garde un peu en ouverture parce que c'est quand même pas le cœur de ce qu'on va voir aujourd'hui. OK. Dernière chose, un peu conseil pratique. S'il y a des questions, en fait, au fil de la présentation, n'hésitez pas à les faire remonter à Pierre via le chat. Et ce qu'on fera, c'est que moi, à la fin de chacune des cinq étapes, chacun des chapitres, un peu, on prendra une série de questions thématiques sur le chapitre en question et ça me permettra de le clore et de passer à la suite. Donc voilà un petit peu. En intro, quelques chiffres rapido sur LinkedIn qui sont toujours bons à rappeler. Je ne veux pas vous abrutir non plus, mais l'idée c'est que vous voyez, en France, c'est 10 millions, un peu plus de 10 millions d'utilisateurs actifs. Donc c'est à peu près 30% de la population active. C'est pas négligeable. On a longtemps entendu que LinkedIn était le réseau pro des cadres, etc. C'est vrai, mais il y a de plus en plus, notamment d'étudiants, de freelance également, qui utilisent le réseau. Ça c'est la première chose. Donc 30% de la population active. La deuxième chose à savoir, c'est que assez peu d'utilisateurs créent du contenu. Il y a une espèce de légende urbaine qui circule qui dit que seuls 1% des utilisateurs LinkedIn créent du contenu. Je pense que c'est vrai dans la mesure où il y a proportionnellement très très peu de gens qui créent du contenu, mais si on regarde une progression un peu dynamique, on voit que LinkedIn devient un vrai réseau social et qu'il y a de plus en plus de gens qui créent du contenu. Et c'est d'ailleurs pour ça que il y a toujours de la place pour acquérir une visibilité, bâtir une légitimité, faire de l'inbound, etc. Mais la concurrence devient un peu rude. Les dernières mises à jour de l'algo l'ont montré en termes de portée, de reach. Jusqu'à il y a 6 mois, on pouvait envoyer des grosses portées avec des posts, etc. Un peu clivant, un peu engageant. Voilà, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, ça pour dire que de plus en plus de gens créent du contenu, mais ça prouve que c'est positif en matière de prospection et d'outbound. Ça veut dire que de plus en plus de gens sont actifs sur la plateforme et donc sont en capacité d'attirer à leur tour d'autres personnes qui viennent là pour s'inspirer, pour chercher du contenu, etc. Et donc, ils sont actifs, donc ils regardent leur messagerie. Donc, qu'on va pouvoir essayer de toucher si on a quelque chose à leur vendre, effectivement. Donc voilà, à peu près 900 000 entreprises. Sur la répartition homme-femme, c'est à peu près la même. Et vous voyez, un réseau social qui est relativement jeune et qui est, ce qui est raccord avec les chiffres sur la population active, en fait. Vous voyez, 90 utilisateurs entre 25 et 54 ans, donc ce qui est à peu près les chiffres de l'activité, même si on va un peu plus loin. On est actif un peu plus longtemps. Mais voilà, le cœur, c'est vraiment des gens actifs, à partir, on va dire, des étudiants, des alternants, jusqu'à… Il y a aussi pas mal de retraités, mais voilà. Donc voilà, tout ça pour dire que ce n'est pas un réseau social anecdotique, hein, 10 millions d'utilisateurs, 30% de la population active, et qu'il y a une vraie dynamique aussi sur ce réseau en matière de création de contenu, en matière d'activité. Et donc, il y a des places à prendre et fatalement, des audiences à toucher. Bon, je ne spoil personne en disant que c'est le réseau social préféré des marketeurs et des sales en B2B. Hein, donc, c'est là que ça se passe, entre guillemets. Et puis, je vous ai mis une slide avec 10 bonnes raisons un peu d'être présent sur LinkedIn, bon, qui mêle à la fois, je dirais, à partir de laquelle vous pouvez conjuguer une stratégie inbound, c'est-à-dire créer du contenu et attendre que les gens viennent à vous en leur apportant de la valeur, mais également une stratégie outbound. Donc, ça sert effectivement côté inbound à augmenter la notoriété, à driver du trafic sur un site web, sur une page entreprise.
Ça permet d'avoir quelques insights aussi sur votre audience, ça permet de bâtir une légitimité professionnelle, etc. J'y reviens pas. Et ça permet aussi, bien sûr, d'aller sourcer des profils, élargir son réseau et aller prospecter. Et c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on commence. Je vais lancer un petit chrono parce que si on minute un peu, ça nous laisse à peu près un quart d'heure pour caler chacune des parties de la presse. C'est parti. Permettra d'éviter d'être pris par le temps. Donc, le profil, enfin, ton profil LinkedIn, ta landing page, c'est vraiment comme ça qu'il faut le penser. C'est-à-dire que je vous l'ai dit, en termes de prospection, généralement, les premières étapes, c'est soit de passer sur le profil d'un utilisateur, soit de le suivre. Et effectivement, derrière, la première action automatique, c'est d'aller se connecter parce qu'on sait très bien qu'une fois que la personne aura accepté la connexion, c'est à partir de là que vous allez pouvoir interagir avec lui via la messagerie privée. Et donc, c'est là que c'est à travers cet outil que vous allez principalement le prospecter. Je ne vais pas trop parler des emails, de ce genre de trucs parce que c'est des outils qui ne sont pas vraiment… qui peuvent être utilisés, mais en fonction même si vous avez des abonnements payants à Sales Navigator, je crois qu'avec l'abonnement de base que moi j'ai, je dois avoir 15 ou 20 emails par mois. Donc vous voyez, si vous voulez commencer à envoyer du volume, c'est clairement pas avec cet outil que vous allez pouvoir en générer. Donc un des premiers outils, c'est bien de sourcer des prospects, d'aller se connecter à eux et puis d'interagir derrière via la messagerie. Donc, effectivement, pour ça, il faut avoir un profil d'équerre, je vous l'ai dit, parce que votre prospect, la première chose qu'il va faire quand il va recevoir la demande de connexion, hop, c'est qu'il va passer, il va regarder un peu qui vous êtes. Donc, la première chose, c'est effectivement de rédiger votre profil pour sa cible principale, pour votre cible principale, donc à savoir quels sont vos prospects, est-ce que c'est des prospects, est-ce que c'est des clients, est-ce que c'est des recruteurs. Donc, ça, aujourd'hui, on est plutôt en catégorie de prospection, donc on va vraiment parler de ça, mais l'idée, c'est de rédiger de vous mettre à la place du prospect et de se dire, OK, quand il va passer sur mon profil, qu'est-ce qui va pouvoir l'intéresser? Quelle est la proposition de valeur que je vais travailler? Qu'est-ce que je vais mettre en avant au niveau réalisation? Comment je vais bâtir notamment ma preuve sociale, etc. Et de se dire, voilà, qu'est-ce qui va faire que… Il y a les Américains ont cette phrase, c'est le fameux « what's in it for me », c'est-à-dire le prospect… Le prospect vous envoie une demande de connexion, le prospect passe sur votre profil, posez-vous la question de mettez-vous à sa place et dites-vous qu'est-ce qui va bien pouvoir l'intéresser là-dessus et organisez votre discours commercial en fonction de ça. Donc, rédiger pour la cible, c'est la première chose. Donc, exit tous les profils type après 10 ans d'expérience, dans la section info notamment, j'y reviendrai, mais… après 10 ans d'expérience dans le web, passionné par les nouvelles technologies, etc. Non, là, en fait, il faut vraiment que votre profil, c'est vraiment une page de vente, en fait. Donc, travailler la proposition de valeur, attirer l'attention du prospect, développer son intérêt. Et voilà, et n'écrivez pas, je vois trop souvent des profils, même de chefs d'entreprise, etc., qui sont rédigés en fait plutôt pour des recruteurs. Quoi. Genre, c'est encore le CV en ligne et le prospect, il s'en fout un peu, quoi. Que vous soyez un passionné du digital ou du transport ou du etc., il s'en doute bien si votre job est là-dedans. Donc voilà, première chose importante. Deuxième chose, le fait de clarifier sa proposition de valeur et d'inciter à passer à l'action. C'est hyper important. Clarifier sa proposition de valeur dès votre titre professionnel, ce qu'on appelle le job title, parce que n'oubliez pas que quand le prospect reçoit la demande de connexion, la seule chose qu'il voit de vous dans un premier temps, avant de cliquer sur votre et de venir visiter votre profil, les deux choses qu'il voit de vous, c'est un, votre photo de profil, deux, votre titre, donc votre job title. Donc, c'est là qu'il faut être concis. Et l'idée, c'est en une phrase d'arriver à expliquer ce que vous faites. Une phrase pas trop longue non plus, parce que le reste du temps, quand vous interagissez sur LinkedIn, quand vous commentez, etc., cette phrase, elle apparaît. Et si elle est trop longue, en fait, elle est tronquée. Je vous prends un exemple concret. Hein. C'est un client pour lequel je bosse aujourd'hui. Donc, c'est un chef d'entreprise qui fabrique… désolé pour la qualité du screen, elle n'est pas terrible. Mais, donc, c'est un client pour lequel je bosse aujourd'hui et qui fabrique des calendriers personnalisés. Donc, c'est son job. Hein. Il a une presse chez lui, etc. Et puis, tout un système de personnalisation. Il bosse pour des TPE, PME, dans le bâtiment, dans toute une série d'activités. Et les boîtes peuvent personnaliser leur calendrier pour le distribuer à leurs clients, etc. Donc, justement, c'est un business qui est un peu old school, en tout cas un peu en perte d'attractivité ou de vitesse.
surtout vis-à-vis de la concurrence du digital. Le chef d'entreprise le sait. Et vous allez voir, on a essayé de bosser un peu là-dessus. Donc, rapidement, si je passe sur… Donc là, on est vraiment sur le haut du profil. Trois choses. Bon, un, la photo de profil. On a essayé de faire un truc un peu sympa, de près pour qu'on voit assez son visage. On a mis un fond uni qui est aux couleurs de sa boîte. On a repris la charte graphique, je n'ai pas réinventé le monde. Mais l'idée, la cible là, c'est plutôt des chefs d'entreprise dans des PME, etc. On n'a pas sur-hypé la photo de profil. Enfin, ce n'est pas des gens qui bossent dans le digital depuis 15 ans. Donc, mollo sur la photo de profil. Donc, on a fait quelque chose d'assez sobre, mais en même temps qu'il soit visible et identifiable rapidement. Ce fond orange, c'est les couleurs de l'entreprise, etc. Donc, on y va. Et puis derrière, un parti pris, vous voyez, sur la bannière. Là, on a fait une bannière vraiment orientée produit, c'est-à-dire la proposition de valeur, ben, elle est là. Votre calendrier d'entreprise, 100% personnalisé. Et après, vous voulez commencer. Voilà, on a simple, rapide, efficace, parce que c'est un peu… On a fait un peu de recherche client dans son portefeuille. Et ce qui ressort et ce que ses clients apprécient en priorité, c'est vraiment ça. Donc, la simplicité, la rapidité, l'efficacité. Donc, voilà, on a rappelé un peu les bénéfices, un peu, ou en tout cas, ce qui lui permet de se distinguer un petit peu. Et la proposition de valeur, elle est simple. Je fais quoi ? Je suis fabricant de calendriers personnalisés. Et donc, on a travaillé une proposition de valeur qui ne soit pas forcément redondante. L'idée, voilà, c'est ne mettez pas sur la bannière la même chose que vous avez ici sur votre titre. Et ça vous permet un peu d'approfondir. Donc là, on a gardé le côté 100% personnalisé qu'on a mis ici. Mais vous voyez, on a dit quelque chose en plus. C'est le côté 100% Made in France. Made in France, c'était assez long, donc je l'ai résumé en trois émojis. Ça permet visuellement d'ancrer un petit peu d'ancrer le regard et en même temps de gagner un peu de place parce que comme ça, notamment quand il va commenter des posts, etc., le job title n'est pas tronqué. Et voilà. Et puis après, dirigeant chez Ameline Calendrier, bah, pourquoi on a insisté sur ce côté dirigeant ? C'est que derrière, on va aller se connecter à des chefs d'entreprise, à d'autres dirigeants, etc., potentiellement. Et donc, l'idée, c'est de travailler un peu le côté miroir et un dirigeant parle à un autre dirigeant. Voilà. Donc, voilà un peu. Sur la bannière, vous pouvez mettre autre chose. Vous pouvez choisir une… Là, on est vraiment orienté un peu produit, mais l'idée, c'est qu'en un coup d'œil, vous savez ce qu'il fait. Hein. Donc, calendrier personnalisé, simple, rapide, efficace. Et puis, vous avez une photo de produit autour de sa photo. Donc, voilà, mais vous pouvez choisir des bannières peut-être un peu plus inspirantes avec plutôt une jolie photo. Ça peut être, vous pouvez aussi choisir, il y en a certains qui le font. Imaginez-vous, vous avez une landing spécifique où la home de votre site web est optimisée pour vos prospects. Bon, ben, vous pouvez renvoyer vers votre site web ou ce genre de choses. Il y a pas mal de possibilités. Et voilà, donc ça, c'est un peu pour le haut du profil. Si je déroule un peu, la deuxième chose la plus importante, c'est la section info. Et donc, rappelez-vous, la section info, en fait, vous n'avez que deux lignes. Vous avez trois lignes, en fait, mais si vous sautez un espace, vous n'avez vraiment que deux lignes. Et sur mobile, vous avez ce nombre de caractères à peu près avant que cette phrase soit tronquée. Donc, il faudrait que je compte là, mais ça doit être à peu près une soixantaine de caractères. Et après, en fait, ce qui se passe, c'est que vous devez cliquer sur « voir plus » pour afficher la suite. Et donc, l'idée, c'est de se dire « bon, mais en fait, on va travailler en fait une proposition. L'idée, c'est d'attirer l'attention du prospect et de lui donner envie de cliquer sur « voir plus ». Et là, on a joué, vous voyez, enfin, clairement, on a joué un peu sur le handicap de manière un peu humoristique. Enfin, le handicap, en tout cas, on a un chef d'entreprise qui m'a dit « ouais, effectivement, le calendrier publicitaire, ça peut paraître ringard, etc. » C'est souvent quelque chose que j'entends. Mais on va essayer de retourner le stigmate, entre guillemets, comme on dit. Et du coup, en fait, on a vraiment pris le parti pris de jouer là-dessus, le côté ringard, le calendrier publicitaire. Ben, en fait, on nous commande 200 000 par an. Et là, ben, c'est l'idée d'attirer l'attention du prospect, de se dire « ah ouais, en fait, j'ai peut-être méjugé la situation. » Donc, hop, si je clique sur « voir plus », qu'est-ce qui se passe ? Et donc là, je vais vous montrer un peu la manière dont j'ai rédigé un peu cette description. J'ai retenu un framework qui est hyper connu des marketeurs. Je n'ai pas du tout inventé l'eau chaude. J'ai retenu un framework qui va vous parler peut-être, qui s'appelle AIDA. Donc, c'est le côté, on attire l'attention,
on essaye de creuser l'intérêt du prospect, on l'amène à désirer un petit peu ce qu'on a à lui offrir. Et puis, dernière chose, on l'incite à passer à l'action. Ça, c'est super important aussi sur les profils. Dans tous les cas, dites-vous que vous devez avoir une brique qui incite le prospect à passer à l'action. C'est-à-dire, une fois que vous lui avez expliqué qui vous êtes et ce que vous faites, toujours en se mettant à sa place et en essayant justement de lui apporter de la valeur, ben derrière, proposez-lui « what's next » un peu, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce qui se passe pour la suite. Donc, vous voyez, l'attention, on l'a vu, c'est ce qui permet de cliquer sur « voir plus ». Et puis derrière, donc l'intérêt, vous voyez, on a pris une phrase client, toujours pareil dans cette idée de parler à la cible et comment dire, de se mettre à la place un peu du client. On a pris un verbatim client. Mes clients m'en demandent, mes concurrents n'en font plus. Hop, et là, on reprend un peu le fil. Cette petite phrase, nous l'entendons tous les jours chez Amine Calendrier. Cette petite phrase est une opportunité en or pour vous différencier, car beaucoup d'entreprises délaissent un canal publicitaire. Enfin, quand beaucoup d'entreprises délaissent un canal publicitaire, celui-ci finit par regagner mécaniquement de la valeur. OK? Donc, ça, c'est un peu l'intérêt. C'est-à-dire, le calendrier est has-been, et paradoxalement, comme il est has-been, il regagne de la valeur parce que plus personne n'en fait. Et donc, derrière, on va travailler un peu le désir, c'est-à-dire qu'on a listé un peu les bénéfices produits, c'est-à-dire plutôt que de dire voilà, on en fait tant par an, un truc, d'avoir une description orientée vraiment sur l'entreprise, on a une description orientée sur le prospect pour attirer son désir, ben, ça va vous permettre de présenter vos produits comme vous le souhaitez, de mettre en valeur vos réalisations, d'être présent chez vos partenaires 365 jours par an et de leur offrir un objet recyclé, etc. Donc là, c'est les bénéfices un peu du produit qui vont parler. Et on recolle toujours pareil avec cette idée. Alors oui, c'est un peu ringard, mais alors du tout numérique et du tout éphémère, c'est peut-être l'outil publicitaire le plus durable et le plus utile que vous pourrez offrir à vos partenaires. Voyez. Et derrière, bon, ben, on n'en met pas des tonnes, on reste assez concis. Avant de continuer à dérouler mon profil, en fait, vous avez trois options. Un, vous pensez que c'est ringard, bye bye, fair enough, à la prochaine, sans rancune. Deux, vous êtes un peu indécis, je peux encore vous convaincre. Là, on renvoie vers un Calendly. Bon, donc pour les BizDev, c'est un outil qui va peut-être vous parler. Le Calendly, en fait, c'est un calendrier que vous éditez et qui est synchronisé avec votre propre agenda et sur lequel votre prospect va pouvoir venir booker. Il clique sur le lien, il arrive sur votre calendrier et il peut au choix sélectionner une plage horaire de 15, 30, 45 minutes, une heure, c'est vous qui définissez. Et voilà, donc en fait, vous voyez, ça limite la friction un peu sur la prise de rendez-vous, sur le fameux « ah, ben, donnez-moi vos dispos, je vais vous donner les miennes, etc. » Là, en un clic, la personne booke un rendez-vous. Donc derrière, ça passe. Et puis après, le troisième, en fait, ces trois cas de figure, ils correspondent un peu au persona un peu qu'on a travaillé. Les premières, c'est-à-dire, bon, mais le persona qui considère que non, en 2021, il faut faire que du digital, donc le calendrier Seringos, ben, on a arrêté de lui parler. Le deuxième, c'est celui qui est un peu indécis et qui a été intéressé un peu par ça et par ce positionnement, un peu en disant, ouais, il y a peut-être quelque chose à faire. Et le troisième, c'est le persona qui, lui, genre, achète déjà du calendrier. Hein, et déjà client, etc. Et l'idée, là, c'est de voir, c'est celui pour lequel on va pouvoir peut-être déloger un fournisseur existant. Et donc, là, on a travaillé ce qu'on appelle la preuve sociale. Vous voyez, le côté… la preuve sociale, c'est hyper important. C'est le côté aussi, vous démontrer de la légitimité sur le marché et de l'autorité à travers notamment des chiffres. Et là, vous voyez, dans cette description, il y a deux éléments de preuve sociale. Il y a le côté, on nous en commande 200 000 par an. Vous voyez, on fait parler les chiffres un peu, ce qu'on appelle les power words en copywriting. C'est bon, voilà, 200 000, c'est une sorte d'argument d'autorité. Et donc, en même temps, voilà, 200 000. Et là, le côté, on a 1000 clients en France. Vous voyez, alors, ça vient un petit peu tard, effectivement, dans le truc. Mais l'idée, c'était quand même de l'affirmer. Donc, comme nos 1000 clients français, vous éditez déjà un calendrier publicitaire, on peut peut-être vous proposer un accompagnement plus satisfaisant que votre fournisseur actuel. Envoyez-moi une demande de connexion et un message sur LinkedIn. Là, vous voyez, on reste. L'idée, ce n'est pas de changer le canal, hein, c'est de garder cette audience-là sur LinkedIn. Voilà, ça, c'est un cas pratique. Il y a plein d'autres manières d'organiser l'information et d'autres matrices. On aurait pu utiliser une matrice PASS. Hein, c'est le côté, on pose le problème, on creuse un peu, on passe agitate solve, c'est-à-dire on pose le problème, on creuse un peu le problème que rencontre le prospect, etc. Et puis après, troisième partie du rédactionnel, on détaille la solution qu'on amène et ses bénéfices. Voyez. Et puis, on passe à l'action derrière, tout pareil. Donc, voilà un peu.
La preuve sociale, j'en ai parlé. Donc, ce qu'on a fait aussi, après, il y a un truc qui peut être assez intéressant, c'est, vous voyez en dessous sur le profil, vous pouvez épingler ce qu'on appelle une sélection de contenu. Ça vous permet de venir épingler des documents ou des publications à vous. Ben, nous, typiquement, c'est là qu'on va épingler le catalogue. Et puis après, détailler en dessous les expériences professionnelles. Et là-dessus, ben, vous voyez, c'est un moyen d'en dire un peu plus. C'est là qu'on raconte un peu. Vous voyez, on a opté pour une section info qui est vraiment très orientée sur en fait, les bénéfices et ce qu'on a à proposer autour d'un objet publicitaire qui est perçu comme ringard. Et puis, c'est là qu'on en dit un peu plus. On a une entreprise familiale depuis 32 ans, 1000 clients, etc. Là, on travaille un peu le storytelling de la petite boîte et en fait, on retravaille la preuve sociale. Et c'est là, effectivement, qu'on a une optique qui est un peu plus produit. Vous voyez, donc, quand tout le monde aurait pensé, enfin, pas tout le monde, mais genre, ce que je vois dans l'immense majorité des cas, dans la section info, il y a une grosse tartine sur, ben voilà, ça, c'est notre offre, on a 300 modèles de calendrier, on permet tel modèle de pricing, on truc, on machin. Vous voyez, tout ça, en fait, on l'a pas du tout abordé dans la section info. On a rédigé vraiment, on s'est mis à la place du prospect et on a présenté, en fait, notre offre du point de vue des bénéfices que la personne pouvait en retirer, etc. Et là, en fait, derrière, dans l'expérience, ben là, on a une présentation un peu plus corporate, un peu plus centrée sur la boîte, ses produits, etc. Et on dit qu'on a 300 modèles, on dit qu'on a la gamme complète, etc. Et même, on fait un petit paragraphe sur ce qui nous différencie de nos concurrents, etc. Et puis, tout pareil, passer à l'action, aller plus loin. Ben, on a un lien vers une presse qui montre des réalisations, des calendriers personnalisés. Et puis, on a un lien sur le site web. On peut être, donc voilà, je vous incite à publier un peu ça. Et puis, vous voyez, il avait plein d'expériences professionnelles. On a réduit un peu. D'où vient cette passion pour le calendrier? Vous voyez, bon, ben, en un mot, on a résumé toutes ses précédentes expériences avec 10 ans d'expérience dans le web et le e-commerce, etc. Et on en a dit un peu plus derrière. Donc voilà. Voilà un peu pour cette partie sur le profil. Je suis allé assez vite, mais on est arrivé au bout des 15 minutes. Donc voilà, je vais prendre peut-être une série de questions s'il y en a. On t'entend pas, Pierre. Oui, j'ai ça. J'ai pas allumé mon micro, évidemment. Désolé. Ouais, il y avait deux questions. Il y en avait une qui était, c'est plutôt une remarque. L'une où c'est quand tu faisais le profil et qu'il avait indiqué en dessous qu'il était dirigeant. Ouais. La personne demandait si on pouvait pas, on était obligé d'aller au bout de la ligne pour continuer après en dessous. Est-ce que tu peux faire un saut de ligne? Bonne question. Je pense que ça vient à la suite. Je pense que c'est un champ qui est unique et là pour le coup je pense que tu peux pas faire un saut de ligne parce que sinon ça agrandirait la ligne. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que cette section, c'est celle qui apparaît aussi avec la photo de profil quand tu es sur les commentaires. Donc il faudrait que je check, enfin à checker, essayer de, ça c'est dans la section le profil, titre professionnel, et essayer peut-être avec un alt entrée ou un entrée de faire un à la ligne. Je suis pas sûr qu'on puisse le faire, à checker, très honnêtement, à checker. Ok, parce que du coup, la personne, tu vois, a réagi, elle dit, bah, parce que du coup, c'est un peu pénible, ça perturbe un peu la lecture. On est d'accord. Voilà, ça peut. Ok, ça, c'était une question. Il y en avait une, mais qui était vraiment au tout début. Alors, peut-être qu'il va pouvoir préciser, mais il dit pas de storytelling du coup. Alors, je pense que tu parlais encore. Alors, pas de storytelling. Ben là, effectivement, c'est une option. C'est-à-dire que, vous voyez, là, typiquement, on a fait… On n'a pas fait de storytelling, mais on aurait pu avoir une section info sur l'aspect un peu plus storytelling. Ce n'était pas un choix qui a été validé, mais effectivement, on aurait pu avoir un storytelling en mode je suis chef d'entreprise, j'ai repris cette entreprise il y a 15 ans, qu'est-ce qui s'est passé depuis, d'où je viens, qu'est-ce qui m'a amené à le faire. Et puis là, effectivement, raconter mes premiers clients, le truc, etc. Et raconter un peu l'histoire de la boîte, ce qui aurait permis également, effectivement, de parler à des profils chefs d'entreprise, ce genre de choses. On n'a pas choisi ça parce que dans les éléments qui ressortaient, il y avait vraiment clairement une volonté d'attaquer un peu le pain, entre guillemets, ou en tout cas d'attaquer cette problématique de l'objet publicitaire calendrier en tant que tel qui n'était pas hyper attractif. Et donc, en fait, on a choisi ce positionnement-là. Mais après, c'est toujours pareil. Il y a toujours beaucoup d'options, en fait, quand on rédige un profil. Et une des options, effectivement, c'est d'avoir un profil un peu storytellé. Et ça aurait pu être, voilà, le storytelling, ça aurait pu être comment j'ai fait fructifier, comment je suis passé de 50 à 200 000 calendriers vendus en 5 ou en 10 ans, en expliquant un peu mon expérience, en réaffirmant mon ancrage local, etc., etc. Toujours pareil, en racontant une histoire autour de l'aventure entrepreneuriale, par exemple.
Voilà, c'est les deux seules questions et une réaction. C'est très, très, très clair. Quelqu'un qui dit c'est très clair, NGA. OK. Voilà, donc ça roule. Tu peux continuer. Ça marche. On passe à la deuxième chose. Donc là, on était vraiment sur l'aspect profil. Maintenant, on va partir sur l'aspect ciblage. Donc, quand vous prospectez, effectivement, il faut avoir des cibles en tête. Comment on fait pour cibler en fait ces personnes? Donc bon, je vais pas faire l'idée, c'est vraiment de vous amener de la valeur un peu sur LinkedIn en tant que tel. Je vais pas revenir sur les différentes méthodologies pour cibler des prospects, etc. Le côté les personas, le côté il peut y avoir du ciblage un peu d'opportunités, c'est-à-dire est-ce qu'on cible des entreprises dynamiques ou ce genre de choses. Et dans ce cas-là, ça peut influencer sur les critères. Je pars du principe que vous avez à peu près déjà en tête vos grandes cibles. Et je vais vous montrer, on va attaquer un peu le dur, c'est-à-dire à travers Sales Navigator, donc qui est l'outil de sourcing LinkedIn, comment on fait en fait pour sourcer des prospects. Et on va voir qu'il y a deux grandes catégories de sourcing qui sont possibles. La première, c'est la recherche par entreprise. Donc, par compte, dans Sales Navigator, ça s'appelle par compte. Donc, exemple, imaginez que votre cible, ce soit des PME dans le BTP. Ben, vous allez pouvoir faire un critère de ciblage sur des PME dans le BTP à travers des filtres comme la taille des effectifs, à travers des filtres comme la localisation des entreprises, le secteur d'activité, etc., etc. Il y a toute une série de filtres sur Sales Navigator. J'aurais peut-être l'occasion d'en dire deux mots. Il y en a qui sont opérants et je vous les ai listés à continuation. Il y en a, c'est un peu bullshit et ça ne marche pas du tout. Donc, au contraire, il faut vraiment éviter de les utiliser. Donc, première possibilité, recherche par compte. Deuxième possibilité, la recherche par prospect directement. Et ça, ça marche. Alors, imaginez, si j'ai envie de sourcer, par exemple, des chefs d'entreprise dans le BTP ou, par exemple, des chefs d'entreprise dans le secteur pharmaceutique, ben, en fait, là-dessus, j'ai tout intérêt à commencer plutôt par une recherche par entreprise. Et derrière, je vous montrerai ça, mais à venir chercher par prospect dans un second temps. Parce que, en fait, si je travaille des mots-clés avec une recherche par mots-clés, notamment autour de l'entreprise, etc., ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites une recherche par mots-clés, et notamment que ce soit par entreprise ou dans le prospect, Sales Navigator va venir chercher dans toute la section info, soit du prospect, donc soit ce qu'on a vu avant, des profils, soit de la section info de la page entreprise, la section à propos en fait. Et donc, si vous avez des mots-clés, par exemple, autour de la du secteur pharmaceutique, etc., et des médicaments, etc., vous voyez, si ça, comment dire ça, ce genre de critères, ça va matcher beaucoup plus avec avec un descriptif d'entreprise, de page entreprise, qu'avec un descriptif de prospect. Je m'explique. Si vous imaginez que vous avez un prospect, et ça, c'est le cas le plus courant dans Sales Navigator, vous avez un profil qui a passé, par exemple, qui a été chef d'entreprise dans l'industrie pharmaceutique pendant 15 ans, okay, et qui derrière, en fait, a changé de métier, mais n'a pas clôturé, par exemple, cette première expérience ou a toujours cette boîte, voyez. Et aujourd'hui, en fait, il ne fait plus du tout ça. Il est chef d'entreprise, j'en sais rien, moi, dans l'industrie, je sais pas moi, dans l'industrie aéronautique. Ben, le problème, c'est qu'en fait, ces mots-clés en fait, dans l'industrie pharmaceutique vont faire remonter son profil, alors même que cette personne ne vous intéresse pas du tout. Donc, l'idée, c'est de vous dire qu'il vaut mieux d'abord chercher par entreprise si vous cherchez par grande catégorie, et notamment si vous avez un filtre de secteur d'activité. La deuxième chose, c'est par prospect directement, en fait, il vaut mieux cibler des gens qui ont un métier particulier. Donc, si effectivement, vous cherchez notamment des médecins, des avocats, des cavistes, ce genre de choses, alors là, dans ce cas-là, commencez, vous pouvez, sans trop de risques, commencer à aller sourcer par prospect directement. Et je vais vous détailler pour chacun des cas les différentes options de ciblage et comment on peut organiser le sourcing. Donc, ça, c'est un peu les deux grandes possibilités déjà. Sur la recherche par entreprise, première chose, en fait, vous avez plusieurs filtres qui sont opérants. La taille de l'entreprise, donc vous pouvez filtrer 1 à 10 salariés, 10 à 50, 50 à 200, 200 à 500, je crois. Voilà, vous avez différents filtres et vous pouvez choisir soit de limiter à un seul, type je cherche à sourcer des TPE, donc je veux sourcer des entreprises de 1 à 10 salariés dans l'industrie pharmaceutique. Ben, je peux essayer en fait plusieurs choses, c'est-à-dire j'indique 1, taille de l'entreprise, première chose. 2, j'indique le secteur d'activité
pharmaceutique industrie. Alors là, vous rentrez le secteur d'activité et LinkedIn, en fait, vous propose des suggestions. Donc, à vous d'aller les cocher. Un troisième filtre qui est opérant, notamment pour ceux qui sourcent ou qui cherchent à sourcer des boîtes qui sont en expansion, c'est qu'en fait, LinkedIn vous propose en fait un filtre par croissance des effectifs. Et notamment, quand vous faites une recherche, vous pouvez vous mettre une alerte sur la croissance des effectifs. Donc, ça, c'est plutôt pour du ciblage un peu startup. Voyez, vous pouvez à la fois avoir un filtre sur la date de création et sur la croissance des effectifs avec une alerte qui vous dit, ben voilà, au cours des X derniers mois, telle est entreprise dans votre recherche. Ont connu une croissance des effectifs assez significative, etc. Et ça va vous permettre de les prioriser, de les faire sortir du lot pour aller les prospecter directement. Okay ? Et puis après, c'est ce qu'on appelle la recherche booléenne. Donc ça, c'est la recherche par mots-clés. Et donc, tous ces filtres-là, je les ai détaillés, mais généralement, ils sont cumulatifs. Et l'idée, c'est en fait de partir du plus général. Donc, vous faites par exemple là, imaginez-vous, vous cherchez des entreprises dans le secteur pharmaceutique. Moi, je ferai de deux manières d'abord. Première chose, je mettrai un filtre par taille d'entreprise. Hein, est-ce que vous sourcez des TPE ou des PME ou des ETI ou des grands comptes ? Vous voyez, première chose. Et puis en fait, donc déjà premier, je mettrai le filtre et en fait, en temps réel, si je peux vous faire un petit partage d'écran, je sais pas si on aura trop le temps de voir ça. Je vais rester là-dessus, mais c'est vrai que j'aurais pu vous faire une petite démo sur SalesNav. On viendra, j'essaierai de la faire si j'ai un peu de temps, parce qu'après, c'est pas évident comme ça au débeauté. Vu le temps qu'on a, c'est un peu chaud. Alors, attendez, affichage, je vais revenir en plein écran. C'est bon. Donc voilà, je fais un premier niveau de filtre par taille de l'entreprise. Et en fait, à chaque fois, LinkedIn va updater les résultats de recherche. Donc, vous allez rentrer dans taille de l'entreprise. Je cherche à sourcer, par exemple, des grands comptes, alors qu'à la base, vous aviez peut-être, et en France, filtre géographique, je ne l'ai pas mis, désolé, mais vous allez mettre grands comptes, etc. Vous allez peut-être avoir un résultat de, je sais pas moi, 1000 entreprises. Derrière, vous faites un deuxième filtre par secteur d'activité, pharmaceutique, etc. Hop, là, LinkedIn, il y a des chances pour qu'il vous renvoie, par exemple, plus que 200 résultats de recherche. Voyez. Et puis après, vous allez pouvoir travailler ce qu'on appelle la recherche booléenne, c'est-à-dire la recherche par mots-clés. Donc, je cherche des entreprises qui, dans leur section information, ont les mots-clés suivants, entre guillemets, on y reviendra là-dessus, entre guillemets, pharmaceutiques, médicaments, biomédicaments, enfin, j'en sais rien, après, je connais pas très bien ce secteur d'activité, mais voilà. Et vous pouvez aller de manière indiquer comme ça à LinkedIn, je veux sourcer des grands comptes en France dans le secteur du pharmaceutique et qui présentent les mots-clés suivants, ta, ta, ta. Et en fait, je vais pouvoir affiner derrière cette recherche, et c'est ça l'intérêt de la recherche booléenne, c'est qu'en fait, je vais pouvoir ajouter d'autres mots, c'est-à-dire je veux impérativement des entreprises qui aient le mot-clé médicaments, par exemple, et le mot-clé biotechnologie. Plus vous êtes spécifique dans votre recherche, effectivement, plus votre nombre de comptes et d'entreprises, vos résultats de recherche vont se réduire. Et donc, ce que je vous invite à faire, moi, c'est de partir du plus général et d'essayer de temps en temps de faire des tests. Donc, je vous ai dit taille de l'entreprise, géographie France, secteur d'activité, vous regardez le nombre de résultats de recherche et là, vous travaillez un peu votre recherche booléenne, vous mettez juste pharmaceutiques, médicaments, etc. Vous voyez le nombre de recherches. Et puis après, vous allez pouvoir réduire, vous allez pouvoir exclure certains mots-clés en regardant aussi les résultats de recherche tels qu'ils apparaissent. Si par exemple, dans le médicament, j'ai les fabricants de vaccins, par exemple, et que je ne veux absolument pas les cibler, je peux exclure le mot-clé « vaccin ». Donc, ça exclura toutes les entreprises qui comportent, dont le mot-clé « vaccin » est inséré dans la fameuse section « à propos ». Voyez, donc sur la recherche booléenne, si le sujet vous intéresse, je vous invite à passer sur mon profil, à aller dans toute l'activité et en fait ça affiche un peu tous mes posts, etc. Et à droite, vous pouvez filtrer par document et là en fait ça vous montre tous les carousels que j'ai postés. Et j'ai posté un carrousel notamment c'était il y a pas, vous verrez, enfin j'ai des carousels un peu, un positionnement un peu
un peu fun sur les politiques un peu vintage. J'ai posé un carrousel avec VGE en maillot de bain qui vous donne un peu toute la méthodo pour la recherche booléenne justement et ajouter des conditions. Donc, tel mot-clé et tel mot-clé sans tel mot-clé ou tel mot-clé, etc. Donc, je vous ai expliqué tout ça. Il faut utiliser des guillemets, il ne faut pas hésiter à mettre des parenthèses. Il faut utiliser or, and, not. Voilà, donc on a peu de temps et beaucoup de choses à voir. Je ne peux pas détailler plus que ça sur cet aspect-là, mais j'ai repris tout ça dans un carrousel. Et au pire, vous m'envoyez un message privé, je pourrais sur LinkedIn, je pourrais vous l'envoyer direct, vous enverrez le lien du poste. Donc, ça, c'est un peu la recherche booléenne. Et donc, une fois que vous avez les comptes, ça va vous permettre de cibler un peu des entreprises. Et de faire ressortir un peu des entreprises. Et puis après, sur Sales Navigator, quand vous cliquez sur l'entreprise, si vous voulez faire, alors là, on n'est pas dans l'automatisation, mais en un mot, quand vous cliquez sur l'entreprise, vous pouvez aller voir s'il y a des décisionnaires. On vous donne tous les comptes, en fait, qui sont rattachés à cette entreprise, c'est-à-dire tous les profils qui ont indiqué être employés ou avoir eu une expérience professionnelle dans cette entreprise. Et puis derrière, ça vous donne aussi l'organigramme, ça recycle un peu les décisionnaires, etc. En un coup d'œil, vous pouvez voir. Voilà. On y reviendra sur l'aspect automatisation, mais c'est à partir de cette recherche Sales Navigator et ou de cette liste, parce qu'après, vous pouvez vous créer des listes. Donc, ça, c'est un peu le must et c'est comme ça qu'il faut procéder. C'est-à-dire, première chose, vous faites une recherche avec vos critères. Une fois que vous avez une recherche qui n'est pas déconnante et qui sort des profils un peu, comment dire, assez pertinents, mais derrière, vous allez devoir qualifier parce que de toute façon, enfin, l'interface de recherche de Sales Navigator est un peu cata. Et en fait, vous allez sortir des profils plus ou moins qualifiés. C'est là que vous allez travailler vos exclusions pour affiner un peu et qualifier le flux. Et puis, une fois que vous avez ça, ben derrière, il y a du boulot à faire un peu à la mano. Vous allez dans la recherche et un par un, vous allez voir des pages de résultats de recherche. C'est pour ça que l'idée, c'est de bien segmenter et d'avoir des résultats de recherche avec des recherches avec 200-300 comptes. Quand vous arrivez à 200-300 comptes, vous êtes pas mal. Et puis derrière, ben, à la mano, même moins, hein, quitte à être un peu excluant et arriver à une centaine, vous avez 25 résultats de comptes par page de recherche. Donc, ça fait, vous voyez, 4-5 pages si vous êtes autour de 100 résultats. Et puis à la mano, en fait, vous allez sélectionner les entreprises qui vous intéressent, qui semblent être tombées dans le cadre de ce qui vous intéresse. Et vous allez pouvoir les ajouter à ce qu'on appelle une liste individualisée, une liste personnalisée, pardon. Et ça va vous permettre d'avoir une liste de prospection d'entreprises qui, elle, est vraiment quali, matchée, etc. Ça, c'est la première chose. Et cette liste, derrière, je vais vous montrer, ça, c'est un peu le must. Cette liste, en fait, vous allez pouvoir en faire un filtre de recherche et revenir, en fait, sur Sales Navigator et indiquer dans les critères de sélection « liste personnalisée ». Et une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir aller chercher dans Job Title, donc par titre professionnel, à l'intérieur de la liste. Je m'explique. Donc, rappelez-vous, j'ai sourcé toutes mes PME dans le secteur pharmaceutique, mettez que j'ai des PME sur une région particulière, sur Rhône-Alpes, on va dire, ou sur la région lyonnaise. Imaginez-vous que je sors à peu près 80 résultats de recherche, je les sélectionne à la mano, je les rentre dans ma liste. Et puis, je vais dans tous les filtres, je retourne sur la home de Sales Navigator, je vais dans tous les critères de recherche. Okay, et puis là, je sélectionne le critère liste personnalisée. Je sélectionne ma fameuse liste PME pharmaceutique que j'ai enregistrée, qui est hyper quali et qui, elle, renvoie par exemple 60 résultats parce qu'elle est quali. Et puis derrière, je cherche à sourcer, par exemple, les responsables marketing de toutes ces PME. Dans ce cas-là, je rentre dans le job title. Responsable marketing, responsable communication, etc., etc. Ça me permet de faire j'ai par exemple, je fais OK, je vais avoir 200, peut-être, je sais pas, j'ai 80 boîtes, ça dépend des boîtes, mais je vais peut-être avoir 70 résultats de recherche hyper qualifiés. Et c'est cette liste-là que je vais importer automatiquement dans mon logiciel d'automatisation, que ce soit Wallaxy, que ce soit LinkTelper, etc. Et voilà. OK, donc si je reviens un peu, donc ça me permet de faire la bascule entre en fait la recherche par entreprise et la recherche par prospect. Vous voyez, première méthode, recherche par entreprise, création d'une liste personnalisée, recherche par prospect à partir de cette liste personnalisée. Et dans recherche par prospect, on va utiliser basiquement du job title et le filtre peut-être post-actuel. OK. Si je reviens par la recherche par prospect, le filtre le plus quali pour la recherche par prospect, c'est le job title, hein, donc c'est le titre.
C'est la zone géographique, le niveau de relation, l'entreprise aussi, pourquoi pas. Et toujours pareil, vous allez pouvoir utiliser la recherche booléenne. Hein, donc ça, la recherche booléenne, elle va permettre de faire des recherches de mots-clés dans tout le profil LinkedIn, toutes les sections du profil, dans la section info, toutes les expériences professionnelles, etc. Et c'est pour ça que c'est un instrument à manier un peu avec précaution, parce que imaginez-vous le mot-clé pharmaceutique, par exemple, mais, ça va aller chercher dans toutes les sections, dans tout le profil, etc. Alors, vous avez un filtre qui marche pas mal, qui est l'aspect... current job, en fait, c'est le fait que je vais aller chercher des mots-clés, mais uniquement dans l'entreprise que le prospect a déclaré comme étant son job actuel. Ça va permettre de cette fois-ci de qualifier un peu. Mais je vous ai dit, il y a une énorme problématique sur Sales Navigator, c'est que plein de gens, en fait, oublient de fermer, entre guillemets, des expériences professionnelles, c'est-à-dire de dire qu'elles se sont déroulées entre telle période et telle période. Et en fait, du coup, ça fait remonter ces gens, alors qu'ils ne sont pas du tout pertinents. Ils étaient responsables marketing dans la pharmaceutique il y a 10 ans. Malheureusement, ils vont remonter parce qu'ils ont oublié de dire qu'en 2011, ils ont arrêté cette expérience professionnelle. Et c'est surtout le cas quand on cherche notamment des cofondateurs sur le jeu. Donc, voilà, lister les titres professionnels. Alors, il faut lister tous les synonymes, il faut lister au féminin, au masculin, il faut mettre les guillemets, etc. Je ne reviens pas là-dessus parce que le temps file et que vous trouverez tout ça dans mon tuto. Il faut lister en anglais aussi, etc. Je vous ai mis un petit tip parce que je vous passerai la présentation en fin de présentation. Je vous ai mis un petit tip vers un lien qui s'appelle Parsinator, qui est un lien en fait dans lequel vous renseignez votre titre principal de prospect, et en fait il vous sort déjà une recherche Sales Navigator avec tous les synonymes possibles, masculin, féminin, anglais, etc., etc. Donc ça peut vous permettre d'avancer là-dessus. Et une dernière chose que j'ai oublié, mais ça fait beaucoup de choses un peu, c'est que au fur et à mesure que vous faites des recherches et que vous rajoutez des critères en fait de sélection en entonnoir, du plus généraliste au plus particulier, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous ouvrir à côté un Google Doc, un Google Sheet, pardon, et en fait à indiquer à chaque fois vos critères de recherche, les mots-clés, notamment si vous avez créé une recherche par mots-clés, dans la deuxième colonne, et dans la troisième colonne, les résultats, en fait, l'URL de la recherche. Hein, ça vous permettra, si vous revenez, etc., d'éviter de vous perdre. Ça vous permet de documenter, en fait, vos différentes étapes de la recherche, parce que sinon, vous allez avancer, puis, ah merde, qu'est-ce que j'avais mis, quel filtre j'avais utilisé, etc. C'est un outil qui est assez compliqué, et du coup, il y a une gymnastique qui est assez costaud à mettre en place. Voilà. Et puis après, bon, mais ça, c'est ce que je vous disais, recherche par entreprise, puis recherche par titre à l'intérieur de cette liste, c'est ce que j'ai détaillé après. OK, on va prendre un peu quelques questions s'il y en a. Eh bien non, il y en a. Ah, si, pas de questions, c'était super clair. Une réaction tout de suite de quelqu'un. Okay. Voilà. Bon, mais c'est cool. J'aurais aimé vous faire une démo en même temps, mais le truc, c'est qu'avec l'effet démo, plus 15 minutes pour vous expliquer tout ça, il y avait toutes les chances que je m'embrouille et que je sorte des résultats de recherche tout pourris, ce qui est toujours le cas quand on a 15 minutes pour faire ça sur SalesNav. Donc, j'ai essayé de le donner à l'oral, de vous dicter une méthodologie. De toute façon, je pense que je vais faire un carrousel là-dessus parce que pour expliquer un peu tout ça, voilà, donc patience, ça marche. OK, donc troisième étape, première étape, je vous l'ai dit, c'était le côté, j'ai le profil d'équerre. Deuxième étape, je source mes prospects, je segmente bien mes listes, je les importe dans mon outil. Une fois que je les ai importés dans mon outil, ben, je vais devoir les contacter. Qu'est-ce que je leur dis? Comment je rédige ces messages? Première chose à ne pas faire, je vois que la presse n'a pas pris le PDF, n'a pas pris les emojis. Ce que tu ne dois pas faire, la première chose, c'est envoyer un message unique, un gros pavé avec « Salut machin, on est une boîte dans ça, je fais ça, ça, ça et ça, j'ai ma gamme de produits, c'est tant, tant et tant, et je suis meilleur, et je suis truc, et je suis… » Voilà, et au final, je suis une quiche, et merci, au revoir, on passe à la suite, etc. Donc, pas de pitch commercial, pas de moi. OK, pas de je veux tout dire, etc., parce que le prospect s'en fout, basiquement. Ne l'oubliez jamais quand vous faites de la prospection. Votre prospect se fout que vous soyez le meilleur, se fout de ce que vous faites. Il ne vous connaît pas. Il vous a accepté, c'est déjà super bien. Donc, si on a des taux d'acceptation sur des campagnes entre 30 et 40 %, c'est déjà cool. En dessous, c'est qu'il y a une problématique de ciblage ou que la proposition de valeur sur votre profil n'est pas assez claire. Enfin, il y a des tests à refaire.
Et donc voilà, donc le gros message avec ça, etc. Je fais tout ça et puis visite mon site web ou prends rendez-vous ou au pire, on peut, si tu as 2 minutes, on peut boire un café, etc. Non, vous oubliez, ça c'est absolument à proscrire pour un show. Donc ça, c'est un peu ce qu'on ne doit pas faire. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte ? Bien cibler, bien segmenter les interlocuteurs, ça on l'a vu. Donc des batchs de 100 prospects à peu près, 150, on peut monter jusqu'à 200 si on a un cœur de cible assez large, notamment sur un périmètre géographique un peu large, etc. Et des comptes assez homogènes. Il y a un travail de pré-qualification avant, on l'a vu. Mais voilà, première chose. Deuxième, l'idée de se poser et de rédiger en quelques lignes, enfin en une ligne, votre proposition de valeur. Une ligne, 60 caractères, qu'est-ce que j'amène ? Et quitte à tester ça aussi, notamment au niveau de la segmentation, vous n'allez pas parler de la même manière à une cible de marketeur qu'à une cible de chef d'entreprise, qu'à une cible de biz dev d'acheteur, par exemple, qu'à une cible de RH, etc. Donc ça aussi, identifier la bonne proposition pour la bonne cible, en fait. Ça, c'est hyper important. Et puis après, tout pareil, c'est rester clair et concis, faire des phrases courtes, etc. Je vous montrerai un exemple, là aussi. Et donc, ce que tu dois faire, en fait, la prospection, c'est un peu le mélange du fond et de la forme. La première chose, c'est personnaliser tes messages. Le côté, bon, ben voilà, faut essayer déjà de créer ce qu'on appelle, bon, là, de mettre un icebreaker, un côté briser la glace. Et briser la glace, c'est créer de la proximité avec ton prospect. C'est-à-dire, pourquoi, quelle est la raison pour laquelle tu le contactes et qu'est-ce qui fait que cette raison n'est pas tirée par les cheveux et est plutôt naturelle, quoi. On peut avoir une approche, l'approche par pair, genre en mode, hey, je vois qu'on est tous les deux chef d'entreprise, où je vois qu'on bosse tous les deux dans le marketing, dans la communication, etc. Je vois qu'on bosse tous les deux dans tel secteur d'activité, etc. Vous voyez, c'est ce qui permet de créer de la proximité et de casser de la distance. C'est la première chose, en fait, ça. Le côté s'intéresser à eux, typiquement, ben, j'ai vu passer votre profil qui a l'air intéressant, ou ce genre de choses. Bon, faut pas en envoyer, enfin, faut pas trop en faire non plus, mais voilà, l'idée, c'est de démontrer de l'empathie. Et la troisième chose la plus importante, c'est ça, c'est que j'y reviendrai sur l'aspect des séquences de messages, mais chaque message a un objectif unique. Impossible dans un même message d'inviter le prospect à visiter votre site web et à prendre un rendez-vous ou à vous contacter pour prendre rendez-vous. Parce que bah derrière, c'est comme quand on envoie un mail à 3 personnes, il y a en destinataire, il y a 100% de chances pour que la tâche ne soit pas traitée. Parce qu'en fait, vous l'envoyez à 3 personnes, il est pour personne. Bah là, c'est pareil, vous envoyez 2 call to action à une personne, elle a 2 choix, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle en prend aucun. Okay ? Donc, un objectif unique par message, ça c'est hyper important. Donc, bâtissez aussi des séquences de messages, on y reviendra. Ou par exemple, le premier message, il sert par exemple à juste obtenir un feedback ou poser une question ou envoyer pourquoi pas un article ou demander du feedback sur un article que vous avez publié. Et là, j'y reviens, c'est là où en fait votre inbound et votre stratégie de création de contenu, qu'elle soit sur LinkedIn, qu'elle soit sur un blog, un SEO, etc., elle doit servir à nourrir aussi votre outbound. Mais je m'avance un peu. Donc, voilà, un objectif unique par message, ça, c'est non négociable. Okay ? Sur la forme, travailler des messages courts, c'est bien de se fixer une limite de 300 caractères, même si ça dépasse un peu, vous êtes à 400, etc., mais pas plus. L'idée, une phrase par paragraphe, pourquoi pas sauter des lignes, hein, les gros pavés, etc., c'est pas ouf. On utilise cette fois-ci encore la preuve sociale. On accompagne tant de clients, on a généré X euros de chiffre d'affaires, etc. On accompagne tant de clients dans le secteur de cette personne, etc. Et le côté, alors, lister ses bénéfices, on y reviendra. Hein, qu'est-ce que vous faites et pourquoi vous le faites bien, la proposition de valeur et les bénéfices un peu, à travers des messages séparés, ça j'y reviens. Et puis le côté, si vous arrivez à chiffrer ces bénéfices, c'est parfait, quoi. C'est-à-dire ça, c'est dans l'aspect un peu copywriting et l'écriture un peu. Plutôt que de dire, je vais donner un exemple, nous accélérons, je sais pas, vous avez un SaaS qui accélère la productivité des équipes commerciales ou vous avez une solution de dématérialisation des factures ou j'en sais rien. Plutôt que nous accélérons la productivité des équipes commerciales, on mettra plutôt, si vous arrivez à quantifier le bénéfice, nous faisons gagner 20 heures par semaine à votre équipe commerciale. Donc, vous voyez la différence de proposition de valeur et d'impact entre on vous rend plus performant et on vous fait gagner 20 heures. Quoi. Vous voyez, ça c'est. Je sais que c'est difficile en fonction des propositions de valeur, mais essayez, voilà, si vous avez des métriques comme ça qui vous permettent de quantifier
votre proposition de valeur, c'est vraiment le top. En tout cas, essayez d'être spécifique et toujours pareil, de vous poser la question de qu'est-ce que, what's in it for me, j'y reviens, mais qu'est-ce qui va pouvoir actionner un peu ou qu'est-ce qui va faire réagir votre cible et votre prospect. Et donc, à quoi est-ce qu'il va être sensible en termes d'arguments, qu'est-ce qui dans le discours va permettre de le toucher directement, etc., en fonction de qui il est, de son job, de, etc. Et donc, c'est pour ça que la recherche client, c'est hyper important. Pour ceux qui sont biz dev là aujourd'hui, si vous avez la chance, alors c'est toujours le plus difficile à faire en startup quand on commence, parce qu'effectivement, on a une idée de cible, mais en fait, on itère et au final, on trouve des niches où on se retrouve pour certains à vendre des produits à des cibles qu'on n'avait pas du tout identifiées. Bon, ça, c'est la problématique. Mais pour ceux qui ont des clients déjà existants et pour ceux qui sont business dans des boîtes qui tournent déjà, mais n'hésitez pas à aller faire de la recherche client et à essayer d'aller voir vos clients en disant mais voilà, c'est quoi le principal bénéfice qu'on t'apporte, pourquoi tu nous as choisi nous, à un moment où essayez de faire un peu d'archéologie aussi de la prise de décision, pourquoi tu nous as choisi nous, quelles étaient les solutions concurrentes que tu avais en face, quel était ton principal problème, quel est le problème qu'on adresse le mieux aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait le mieux, quelle est la problématique qu'on adresse la mieux, etc. Quelles sont tes principales préoccupations à l'échelle de tes équipes, etc. Quelles sont celles de tes commerciaux? Imaginez que si votre prospect c'est un directeur ou un responsable marketing, etc., essayez de descendre un cran aussi, quelles sont les problématiques des équipes, etc. Parce que si derrière vous prospectez pas que des décisionnaires, si c'est mieux, on y reviendra, mais des dessins un peu commerciaux, etc., notamment dans une stratégie un peu d'account-based marketing, ben, essayez de cartographier aussi les problématiques à l'échelon en dessous, ça vous permettra d'avoir une meilleure vision d'ensemble. Et si vous devez aller taper l'échelon en dessous, ben, d'arriver avec un discours pas à destination du manager, mais de la manageuse, mais avec un discours au plus près de la cible, au plus près du prospect, et ça, c'est le plus important. Ok. Et donc, une fois que vous avez ça, le fond, la forme, ben, l'idée, c'est de mettre en place, quand on automatise, des séquences de messages. Et donc, avec un message égale un objectif unique. Rappelez-vous, ben, premier message, exemple. Hein, premier message, prise de rendez-vous. Deuxième message, le but, c'est de poser une question ouverte. Hein, donc, on a l'accroche, je me présente et j'ai un peu une question ouverte. Le deuxième message, par exemple, c'est juste de la relance en mode « Hey, machin, vous n'avez pas répondu, etc. Là, cette fois-ci, vous voyez, quand on est sur la présentation de l'entreprise, c'est juste la proposition de valeur. On accompagne tel segment ou tel secteur d'activité à proposition de valeur, à gagner 20 heures sur leur prospection au niveau des équipes commerciales, à fluidifier leur parcours client, etc. Ça peut être ça. Deuxième, ça peut être une présentation plus approfondie, pourquoi pas avec preuve sociale, type pour mémoire, on fait ça et on a accompagné 300 clients dans l'industrie, idéalement du prospect. Vous voyez, c'est là que la segmentation est hyper importante au niveau des campagnes. Vous ciblez des gens dans l'industrie pharmaceutique. On a déjà 20 clients dans l'industrie pharmaceutique où on accompagne, tac, 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 un peu de name dropping, entre guillemets, quoi. Vous voyez, on accompagne telle boîte dont vous savez qu'elles vont parler directement aux prospects en question parce que c'est des grands comptes, parce que c'est des grosses boîtes, ou que c'est des références, etc. On travaille la preuve sociale. Et donc, on lève un peu des objections aussi en travaillant la preuve sociale. Voilà. Le troisième message peut être une relance pure, juste pour m'assurer que vous aviez bien eu mes précédents messages. Ça peut être, j'imagine que vous êtes très occupé, les grands classiques. Ça peut être une relance avec de l'humour. Pourquoi pas aussi pour briser la glace dans la relance. Si vous sortez de l'automatisation, why not? Mais ça peut être une relance à travers un message vocal dans la messagerie LinkedIn. Alors là, c'est quelque chose qui n'est pas possible de faire aujourd'hui depuis les outils d'automatisation, mais c'est un truc assez cool en fait à faire. Et puis sinon, le dernier message, le côté, imaginez-vous que votre objectif final, c'est d'envoyer le prospect vers une landing, etc. Vous lui envoyez la landing, le lien vers la landing et vous lui mettez que vous êtes à dispo, etc. Mais vous voyez un peu la différence de premier réflexe, j'envoie un premier message en lui disant ce que je fais, en lui présentant toute ma gamme de produits, en lui envoyant un lien vers mon site web, en lui demandant s'il est dispo, etc. Et ce côté où j'ai séquencé et où chaque message
doit aboutir à une action particulière, doit générer une action concrète, que ce soit une prise de rendez-vous, que ce soit une réponse, que ce soit un clic sur le lien pour arriver vers une landing ou vers un livre blanc, etc. Ce genre de choses. Après, il faut articuler ça aussi avec votre lead gen à vous et vos outils à côté, que ce soit notamment vos outils web. Mais voilà, donc ça, c'est les séquences de messages. Wow, la capture est un peu dégueu. Je vous partage un exemple que j'ai pris chez Scalesia, parce que j'ai fait une formation chez Scalesia, une formation en outbound. Scalesia, ça vous parle sûrement, c'est Benoît Dubos, qui est une grosse agence qui fournit en fait, enfin, c'est pas une agence justement, mais c'est une plateforme qui met en place des cours en ligne et de l'accompagnement à des entrepreneurs pour scaler un peu son business et partir de un peu startup jusqu'au scale et à générer du revenu récurrent, etc. à travers à la fois un accompagnement en méthodo et aussi un accompagnement de formation aux outils de grosses marketing. Voilà. Ça, c'était pour la pub Scalesia. Salut Benoît. Voilà. Donc, je me suis permis de leur piquer un exemple. Et le côté, un exemple que j'ai analysé moi-même, vous voyez, en identifiant les différentes briques. Donc, le côté l'accroche personnalisée, bonjour, prénom, c'est ce que l'automatisation permet. Hein, vous permet d'appeler votre prospect par son prénom, parce que c'est un champ que Wallaxi, par exemple, va chercher automatiquement. Bonjour Steve, très heureuse de pouvoir échanger. Le côté la problématique client. En consultant votre site, je me demandais comment vous gériez votre infogérance. Je me suis dit que le mieux était de vous poser directement la question, etc. OK, mais vous voyez, on commence par parler d'une problématique client, qui est bien sûr une problématique qu'on adresse derrière. Donc là, la proposition de valeur plus la preuve sociale, on aide plus de 300 CTO de start-up en France, etc. Donc, et vous voyez l'importance de segmenter votre base de vos campagnes de prospection via l'automatisation. C'est-à-dire que là, si le Steve en question, il n'est pas CTO et il ne travaille pas dans une start-up en France, ben votre message chou blanc, quoi. S'il est chef d'entreprise dans le secteur pharmaceutique, justement, ben vous ne lui parlez pas du tout, quoi. Donc, hyper important de bien sourcer, de bien segmenter ses prospects, ses recherches, ses listes de prospects et derrière de bien segmenter ses campagnes derrière quand on les importe. OK? Et donc, là, c'est la proposition de valeur et la preuve sociale. Plus de 300 CTO de start-up en France, etc. Pareil, dans la rédaction du message, vous voyez que si Steve est CTO de start-up en France, vous voyez, on l'appelle CTO. Mais parce que CTO, Chief Technology Officer, c'est déjà la dénomination anglaise, c'est une dénomination très start-up, etc. Si votre job, c'est de cibler des chefs d'entreprise dans le secteur, des travaux publics et en TPE, vous n'allez pas leur parler de CEO, de CFO et de CTO. Hein. Voilà. L'idée, c'est d'adapter le discours à la cible et de bien mapper en amont, toujours pareil, la recherche client, la recherche prospect, c'est à ça que ça sert. Ça permet aussi derrière d'adapter les messages et d'être clair sur le discours. Okay. Et le côté, la dernière partie, invitation à démarrer la discussion, le côté, est-ce que c'est un sujet chaud chez vous ? Voyez ? Donc, c'est un premier message de prospection. Le but, ce n'est pas du tout de sortir. Enfin, là, l'objectif, c'est d'entamer la discussion et d'avoir une réponse oui, non. Ça, c'est un bon indicateur. Est-ce que quand je termine ma question, est-ce que c'est une question à laquelle on peut répondre par oui ou non ? Et auquel cas, c'est hyper simple pour le prospect de le faire. C'est un bon indicateur de savoir si la question est assez précise. Et puis après, imaginez, donc là, j'ai pris qu'un message, je ne vais pas spoiler tout le truc, mais on pourrait avoir effectivement, là, le premier message, l'idée, c'est d'avoir un feedback. Le deuxième message, ça pourrait être… donc là, vous voyez, je vous ai pris cet exemple de séquence. Premier message, lors de la demande de contact, on peut personnaliser la demande. Deuxième message, ça serait plutôt celui-là. Vous voyez, donc briser la glace et initier la conversation. Vous vous êtes présenté, vous lui avez posé une question ouverte. Troisième message, vous vous présentez un peu plus en disant un peu plus sur ce que vous faites. Et là, le call to action, c'est le côté est-ce que vous serez disponible pour en parler la semaine prochaine ou là, il y a plusieurs techniques, c'est en parler la semaine prochaine ou est-ce que vous aurez un moment bientôt ou vouloir vous balancer une date, vous proposer une date de suite. Et puis derrière, j'ai une relance avec humour. Et le dernier, je lui envoie le lien vers ma landing ou le lien vers mon livre blanc, etc., etc. Ça marche. Je vois que l'heure tourne. Je termine là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions ?
Oui, il y a deux questions. La première qui est donc, du coup, tu conseilles jusqu'à quatre lances? Ouais, séquence de messages, 3, 4, pas plus. Alors après, en fonction, on y viendra ça, juste après sur l'industrialisation, mais dans Wallaxi notamment, qui est l'outil que j'utilise, honnêtement, je ne pourrais pas vous parler des autres parce que moi, j'étais d'abord Prospecting, qui est l'ancêtre, entre guillemets, de Wallaxi, et désormais Wallaxi. Mais dans Prospecting, on peut aller jusqu'à 6 messages de mémoire en termes de campagne. Il faut pas, après, c'est du spam. Donc voilà, arrêtez-vous. Et après, en fonction des campagnes que vous choisissez, il y a aussi moyen de moduler les campagnes en fonction de si ou non le prospect a vu ou pas votre message. Donc ça évite aussi de renvoyer la séquence et que le prospect se connecte un mois plus tard et voit ces 6 messages à continuation. Vous pouvez définir, par exemple, dans votre campagne. Tant que le prospect voit vos messages, ben vous allez vous dérouler jusqu'au bout de votre séquence et 4-5 messages, pas plus. Okay? Et sinon, vous pouvez aussi définir le fait que le prospect n'a pas vu le deuxième message, ben vous vous arrêtez là en fait et les trois autres, vous paramétrez un message vide en fait. Et du coup, ça envoie pas de message. Donc voilà, oui, séquence courte, 4-5 messages, pas plus. Après, c'est du spam. S'il ne répond pas, ben ça ne sert à rien de s'acharner. Hein. Voilà. Ça marche. Et justement, sur l'invitation, Personnalisé ou pas? non, alors la personne faisait une réflexion, elle dit bah, que toi, tu proposais une question fermée pour l'invitation à démarrer. Et la personne dit bah, moi, je pense qu'une question ouverte est mieux, de type que pensez-vous d'organiser un échange? Point d'interrogation, toi, elle, question ouverte. C'est plutôt une Ouais. réflexion, quoi, tu vois, plus qu'une Alors, question. ça dépend de ton objectif. C'est-à-dire que ça peut être une question fermée, oui, non, si l'objectif, c'est de t'intéresser à ton prospect et de générer une réponse sur une de ses problématiques métiers. Là, la deuxième question qui est plutôt ouverte, elle est avec un objectif prise de rendez-vous. Donc voilà. Donc ça, en fait, je suis complètement d'accord, mais justement, rien ne t'empêche de faire les deux et d'avoir une première étape question fermée pardon sur une problématique prospect pour t'intéresser à lui. Deuxième étape, une question plus ouverte, dispo pour en discuter, point d'interrogation. Avec là un objectif, non seulement de réponse, mais limite aussi de rendez-vous. Et là aussi, pareil, l'idée, séquence courte, et l'idée aussi, c'est de sortir. Enfin, j'ai fait un post là-dessus un peu rapide, mais qui est le côté, la prospection, c'est sur LinkedIn, la vente, c'est en dehors. Donc, l'objectif, dès que le prospect a répondu, c'est de le sortir de LinkedIn et là, de lui proposer de prendre rendez-vous avec un calendrier ou de lui proposer une date, etc. etc. OK? Voilà, c'était les deux questions. Ça marche. Good. Parfait. Ben, on passe à la quatrième étape, le côté on industrialise. Bon, ben, choisis le bon outil. Il y en a plusieurs. J'ai pas testé NeoDeal, mais honnêtement, enfin, Wallaxi est en train vraiment d'écraser un peu le marché parce que non seulement en plus c'est une solution de prospection LinkedIn, mais en plus ça permet de faire du multicanal en envoyant notamment du cold emailing. Alors, soit de faire du LinkedIn ou du cold emailing, soit de conjuguer les deux dans des scénarios de prospection. Donc, voilà, moi, c'est l'outil que j'utilise. Il y en a d'autres, je peux les citer, parce que voilà, je n'ai pas d'action chez toi, non, chez Wallaxi. Mais voilà, donc il y a LinkDelper, il y a NeoDeal aussi. Voilà. Après, c'est un peu les problématiques, on va rentrer là-dedans aussi. Est-ce que je risque pas de me faire banner? Est-ce que je risque pas un ban de LinkedIn en automatisant, etc. J'ai vu que toi, non, posté là récemment, il y a eu un update de LinkedIn et il y a pas mal d'utilisateurs, notamment de LinkDelper, qui ont pris des bans, donc des restrictions de compte. Il faut faire attention avec ça. Mais voilà, je cite les trois outils parce que je sais que sur le marché, c'est à peu près les trois principaux. Maintenant, très honnêtement, je vais être honnête. Moi, je bosse, voilà, je bosse sur Wallaxi. Je bossais sur Prospecting avant, qui est en train d'être abandonné. Hein, l'idée de les gens qui utilisaient Prospecting sont en train de basculer sur Wallaxi. Et voilà. De toute façon, l'ergonomie de Wallaxi est 10 fois plus sympa que celle de Prospecting, qui était un peu costaud. Voilà. Donc voilà, je pourrais répondre un peu s'il y a des questions là-dessus. Bon, avant de lancer des campagnes, ben, bien sûr, je vous l'ai dit, hein, bien sélectionner les prospects, bien les segmenter, etc. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est trouver des listes de prospects, enfin faire mes listes de manière un peu intéressante dans LinkedIn, les importer dans Wallaxi, et puis là, cleaner un peu, entre guillemets, ma base de prospects. Alors, quand j'en ai peu, ben, je fais du à la mano, hein, c'est-à-dire que je vais voir sur LinkedIn pour voir si ce n'est pas un compte fantôme, si le profil est complet, si le prospect a une activité, etc.
Et s'il ne l'a pas, ben je le shoot et je qualifie ma base de prospects comme ça. Si vous avez des bases un peu plus importantes, à 300-400 prospects, vous ne pouvez pas le faire. Et donc là-dessus, Wallaxy vous permet de nettoyer un peu votre base prospect avec des options telles que supprimer les prospects qui n'ont pas de photo de profil, supprimer les prospects dont le profil n'est pas complet, par exemple. Enfin, les sélectionner et du coup les supprimer, ça vous permet de cleaner un peu la base. Après, là-dessus, ben, vous vous rendez compte que c'est toujours pareil, en fait. C'est le problème, et c'est ça, c'est le problème de l'automatisation, c'est que quand vous faites de l'automatisation, vous pouvez, l'idée, c'est d'avoir, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a très peu parlé outils finalement, et on a beaucoup parlé méthodo, parce que l'enjeu quand vous faites de l'automatisation, c'est de faire du volume, et donc d'avoir une méthodo qui vous permette de faire du volume tout en qualifiant au maximum. Et c'est pour ça que vous allez le faire en qualifiant vos prospects, en essayant comme ça de trouver des filtres qui vont vous permettre d'adresser du volume tout en gardant un minimum, enfin, ou tout en ayant un maximum de qualité possible au niveau de liste de prospects, de votre liste de prospects. Et derrière, la deuxième méthode qui est beaucoup plus efficace mais qui va vous prendre énormément plus de temps, ben, c'est de passer un par un sur ces prospects, sur LinkedIn et d'aller voir, d'aller éliminer ceux qui ne sont pas actifs, etc. etc. Et donc là-dessus, bah, il faut essayer de trouver un juste milieu entre les deux, sachant qu'il y a toujours des contre-exemples, il y a toujours des prospects qui n'ont pas de photo de profil mais qui sont hyper actifs sur LinkedIn, hyper quali, etc. Donc ceux-là, si vous les dégagez, bah, potentiellement, c'est un bon prospect que vous dégagez. Mais de la même manière, dans 80% des cas, les gens qui n'ont pas de photo de profil sont des gens qui ne sont pas actifs sur LinkedIn. Donc voilà, c'est à vous de trouver un juste milieu entre j'importe des listes un maximum qualifiées mais avec un peu de volume et derrière je les réduis notamment dans Wallaxy à travers des filtres supplémentaires, n'a pas de photo de profil, n'a pas de profil complet et je lance mes campagnes. Soit vous faites du à façon, vous faites de l'artisanat, mais ça va vous prendre un temps fou. Donc à vous de choisir. Voilà. Pareil, j'ai pris une source Scalesia là-dessus. Dès qu'on utilise des outils d'automatisation, il ne faut pas bourriner, notamment si vous avez un compte un peu novice. Donc, compte novice, c'est moins de 500 connexions, pas beaucoup d'activités sur votre profil et que vous utilisez ça, ben, vous avez des limites. Je vous l'ai mis dans la présentation. Un compte chauffé, c'est un compte à plus de 500 connexions sur lequel vous êtes actif déjà, vous partagez du contenu, etc. Vous voyez, c'est bien de pas dépasser 100 invitations par jour. Et premium, c'est le côté, si vous avez un abonnement Sales Navigator, ben, théoriquement, vous pouvez aller un peu plus loin. C'est des sources qui datent un peu, ça doit avoir un peu plus d'un an et là-dessus, LinkedIn a mis un peu à jour des choses comme ça. Il y a la fameuse question de la limite hebdomadaire de 100 invitations que LinkedIn a théoriquement mis mais que Wallaxy permet de contourner à travers une petite astuce, c'est-à-dire qu'ils vont, récupérer l'adresse mail du prospect et c'est par ce biais-là qu'ils vont demander l'invitation, donc ils contournent cette limite. Moi, ce que je conseille aussi, c'est de commencer petit pour essayer de chauffer d'abord un peu le compte. Et après, progressivement, notamment dans Wallaxy, d'augmenter un peu les quotas et en gardant un peu ces ordres de grandeur en tête. Voilà. Et donc, de limiter, que ce soit au niveau des invitations, des messages, des connexions, etc. etc. Okay. Donc voilà, qu'est-ce que je n'ai pas dit sur les choses que je n'aurais pas dit ici? Donc, ce qui est intéressant en termes d'import depuis Wallaxy, vous pouvez importer des listes, des recherches depuis LinkedIn. Donc ça, c'est intéressant de prospecter. Première chose, vous pouvez aller importer des gens qui participent à un événement. Ça, c'est quand même assez cool. Donc, si vous avez un événement, un salon, par exemple, de votre secteur, etc., et qu'il y a un événement LinkedIn et qu'il y a 200 personnes qui participent au salon, vous participez au salon. Donc, vous vous inscrivez au salon. Et là, à partir notamment quand vous allez dérouler la liste des prospects et que vous cliquez sur votre extension Wallaxy, logiquement vous allez pouvoir aller aspirer tous ces prospects et donc créer un ciblage, ce qu'on appelle un ciblage par intérêt, hein, plutôt, et donc c'est-à-dire cibler les prospects en fonction d'une action qu'ils ont réalisée, typiquement déclarer leur présence à un salon pro qui est dans votre secteur d'activité, etc., plutôt que de faire de la recherche cold depuis Sales Navigator. C'est la première chose. Vous pouvez logiquement aussi, alors les options ont changé un peu avec Prospecting, mais théoriquement, enfin, sur Prospecting, vous pouviez le faire, aller chercher des prospects qui ont liké un post ou qui ont commenté un post, qui ont commenté, je sais que c'est possible, notamment un de vos posts via un auto-import Wallaxy.
Donc ça, c'est des choses qui sont possibles aussi. Voilà, sur Prospectin, vous pouviez aller aspirer les comptes de certains, tous les contacts de certains comptes qui n'avaient pas protégé, de certains profils qui n'avaient pas protégé leur liste de contacts. Je ne sais pas si c'est des choses qu'on peut faire depuis Wallaxy. Dans tous les cas, il faut tester, aller sur le profil. Et si les relations qui sont affichées par ce profil sont cliquables, vous cliquez sur votre petit widget Wallaxy. Et vous regardez si c'est possible. Dans tous les cas, là, je parle toujours depuis Wallaxy. Alors, un warning, parce que c'est toujours un peu risqué d'utiliser plusieurs outils d'automatisation depuis un même profil LinkedIn. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller, par exemple, importer tous ces contacts depuis un outil comme Phantom Buster, puis derrière, télécharger, en fait, sous forme de CSV, tous ces prospects et les réimporter à la mano sous forme de CSV dans Wallaxy. Donc voilà, après il faut jongler, c'est un peu de bidouille. Faites gaffe parce que c'est toujours pareil en fait. LinkedIn n'hésite pas à banner des comptes, à restreindre, etc. Donc il y a toujours des warnings. Généralement, vous ne prenez pas un ban définitif direct. Au pire, vous allez vous faire banner pendant 1 ou 3 jours. Donc, mais attention parce que c'est des warnings assez sérieux avant le ban définitif, quoi. Donc, dès que vous avez des demandes un peu de LinkedIn, quand vous vous connectez depuis votre ordi, notamment de confirmer votre identité ou de répondre à certaines questions de sécurité additionnelle, etc., c'est que, attention, ça c'est pas que ça sent pas bon, mais c'est des petits warnings, quoi. Et donc, n'hésitez pas à y aller mollo, à suspendre un peu vos campagnes ou à baisser vos quotas. Pour éviter de se faire banner définitivement. C'est toujours con, surtout si c'est votre compte LinkedIn principal, celui depuis lequel vous faites de la prospection. Voilà. Je vais prendre des questions là-dessus. Bah, pas de questions particulières, du coup. OK. Aucune question. Aucune question. Bah, si je reviens là, bah, voilà, bien segmenter vos campagnes. Pas y aller comme des bourrins en termes de volume. Essayer de privilégier la qualité à la quantité, toujours pareil. Et puis voilà, voir un peu ce que ça donne aussi. Voilà. Et puis après, ouais, sur la génération des campagnes, mais une fois que vous avez segmenté vos cibles, etc., regardez aussi la performance des campagnes en termes de taux de réponse, en termes de taux d'acceptation, etc. Ça va vous donner des insights sur quelle est la cible qu'il faut aller creuser, travailler, élargir, approfondir, etc. etc. Voilà. Petite question, Guilhem, est-ce que ton support est diffusable ou pas? Ouais, je vais vous le... Je vais mettre mon adresse mail, elle est mise dans le chat, et puis les personnes qui souhaiteraient le recevoir à ce moment-là, ils m'envoient un mail et puis je leur fais suivre. Quoi. Ouais, c'est ça, ça marche. Je vais mettre tes coordonnées à la fin, je ne sais pas si tu les avais mis, tes coordonnées à la fin, ok. Ça roule. J'enlèverai peut-être les ressources Scalesia si jamais ça bouge un peu, mais c'est le seul truc que j'enverrai. Après, le reste, c'est que du... C'est de moi, entre guillemets, donc ça peut être partout où c'est dispo sur LinkedIn, ça peut être partagé. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions? A priori, non. Bon, ça roule. Il nous reste 10 minutes. Rapido, bon, ben, c'est le côté, je vais prêcher un peu pour ma paroisse, entre guillemets. Hein. Mais c'est le côté, faire du cold, c'est bien, mais c'est quand même encore mieux quand vous avez de la preuve sociale à afficher. Vous aussi, donc le côté faire de l'outbound à travers de l'automatisation LinkedIn, mais en même temps faire de l'inbound, c'est quand même hyper hyper important pour travailler la crédibilité, pour démontrer de la légitimité, asseoir son autorité et sa crédibilité sur LinkedIn avec une stratégie de création de contenu. Et d'un autre côté, effectivement, faire de l'outbound, aller interagir avec des prospects, que ce soit de manière à la mano avec des gens que vous avez ciblés ou de manière automatisée. Je pense que les deux stratégies sont vraiment complémentaires et c'est comme ça, qu'on met en place une vraie stratégie de social selling. Voilà un peu pour tout ça. Si je termine un peu par une séquence d'auto-promo, parce que c'est le deal, mais je ne vais pas être long, je ne vais pas vous saouler. Pour me contacter, c'est simple en fait. Hein, je vous ai mis un petit slide.
pour contacter, ben vous m'envoyez un message privé sur LinkedIn. Je vous invite à me suivre ou à vous connecter si justement vous avez envie de m'envoyer un message. Et puis sinon, allez faire un tour sur ma section de contenu. Hein. J'ai notamment la section documents. Je partage pas mal de tutos sur la prise de parole, à la fois sur la prospection, sur la prise de parole, le personal branding. C'est vraiment mes sujets. Et si ces sujets vous intéressent, ben je vous invite à me suivre, voilà, et à interagir avec mon contenu, à me poser des questions, etc., etc. N'hésitez pas. Pour ceux qui sont en CPEC, il faut que je voie, mais il y a des chances pour que je vous ai en module LinkedIn. Je sais, j'ai pas trop calé ça avec Gaël. Il faut voir, mais je sais qu'on est plusieurs formateurs à tourner sur cette problématique. Donc, je sais pas si c'est le cas, si je suis programmé sur cette session. J'ai pas eu de feedback là-dessus. Je pourrais pas, c'est Bon, Gaël voilà. Si, de qui toute gère. façon, ça, au pire, ça sera un autre formateur. Mais voilà. En tout cas, Bon, alors, généralement sur LinkedIn, c'est quand même voilà. plutôt Si toi, ouais. ces sujets, si ces sujets vous intéressent, ben, je vous invite à me suivre et à regarder passer un peu ça. Si ça vous saoule, vous me bloquez, c'est le deal. Et vous me désactivez. Et puis voilà. On n'en parle plus, quoi. Ouais, OK, voilà, quoi. exactement. Bon, ça marche. Je peux prendre peut-être une dernière question, c'est une dernière question. Pas de dernière question, mais plutôt quelqu'un qui me dit que c'était super clair et merci, Captain. OK, ça roule, mais c'est le principal. Ça marche. Bon, Donc, je mais t'ai dit, voilà, merci. tu fais les petites mises à jour qu'il faut faire sur ta Ouais, presse et et je puis, t'envoie ça de suite, ouais, dans voilà, tu l'ensemble. m'envoies ça et puis moi, je fais suivre. Je leur ai laissé mon mail. Donc, aux personnes qui le voudraient, ils me font un petit mail et en retour, je leur mets ton support. Yes, ok. Bon, ça marche. Bon, Top. et ben, on fait Bon, comme et ça. parfait. Merci à tous et à une prochaine fois ou à bientôt sur LinkedIn. Merci Guilhem. Ciao. Ciao. Salut. Ciao, ciao.